Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Jusque-là, ça baignait, ça barbotait dans du jus de chaussette, ça se gargarisait dans du jus de chic, ça se pavanait et ça se dandinait dans les travées, ça gloussait sa satisfaction et ça rôtait son midi. Parce que l'argent coulait à flot. Parce qu'il bouchait tous les trous de l'incompétence, de la médiocrité, de l'improvisation. Mais depuis la chute du prix du baril, et alors que l'argent continue malgré tout de rentrer sans que quiconque se foule le poignet, encore moins les ménages, et alors que les réserves de change se chiffrent encore à près de 160 milliards de dollars, c'est quand même panique à bord. Panique à bord avec 160 milliards de dollars de réserves. Qu'est-ce que ça serait autrement? Le régime donne de vrais signes de détresse et il ne se passe pas de jour sans qu'il jette d'autres cris d'orfraie. C'est Cassandre tous les jours, matin et soir. C'est que la situation est plus grave qu'on ne croit et que la dalle risque de nous tomber sur la tête bien plus tôt qu'on ne pensait. Pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi devrait-on craindre le pire dans un pays qui dépense environ, à la louche, 60 milliards de dollars par an, puisque les seules ressources hydrocarbures, malgré la chute des prix, couvrent environ la moitié de ses besoins, et que l'autre moitié est largement compensée par les réserves de change. En toute logique donc, même en gérant les doigts dans le nez et avec les plus incompétents et les plus... J'arrête là. Des responsables. Le régime est tranquille pour au moins 3 ou 4 ans, dans le pire des cas. 30 milliards engrangés par les ventes du gaz et du pétrole et 30 milliards pris dans les réserves. Ça fait 60 milliards, ça couvre les besoins. Où est le problème, me diriez-vous? Et c'est exactement la question que nous poserons à nos invités. Sinon, dans ce lourd climat de fin de règne, ou de début d'un autre, où des forces occultes, mais alors vraiment occultes, dont on ne sait rien, si ce n'est leur façade officielle et officieuse, celle d'un président débranché, et de porte-parole au pluriel, improvisés, qui nous disent des choses et d'autres dans ce climat hautement toxique, lourd de menaces en tout genre. On ne sait vraiment rien de ce qui se trame et de ce qui se concocte, à part des manœuvres chafouines et des chassés croisés discrets entre la capitale française et la caverne d'Ali Baba. On ne sait rien d'autre que ce qu'on veut bien nous dire de temps en temps. Et on a appris, depuis le temps, qu'entre un mensonge et un autre, il y a toujours un mensonge. C'est mensonge à gogo. Mensonge en veux-tu, en voilà. Mensonge en rab, mensonge en rade, mensonge en solde, mensonge pour tous, mensonge griffé, mensonge en chair et en sauce. Et surtout, silence radio sur ce qui se passe derrière le comptoir. Rien, et entre rien et rien, il n'y a rien. Rien à gogo, rien en veux-tu en voilà, rien en rab, rien en rad, rien en solde. Bon, j'arrête là pour ne pas vous saouler. En tous les cas, cette absence totale d'infos sur le régime montre bien, à l'évidence,
qu'il n'y a pas de lutte au sommet. Sinon, les uns cafarderaient sur les autres. Et les fuites organisées d'informations en tout genre feraient floresse. Par journalistes interposés, bien sûr, comme d'hab. Le fait que rien ne filtre montre bien que c'est concorde et bousse-boussette. Et donc, comme dans tout État qui se respecte, zama zama, comme si nous n'étions pas le seul pays au monde, à ne vivre que d'une seule et unique ressource naturelle. Nous avons aussi des lois des finances, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous croyez ? Et donc, l'assis devant loi des finances, en attendant d'être soumise au vote en plénière, zama zama, semble avoir subi le feu nourri de quelques députés, dont certains sont du FLN. Rien que ça. Un FLN pourtant complètement acquis au régime. Mais comme leur direction politique ne leur a donné aucune instruction, ça a donc été un peu la fête au village. Et des députés FLN ont apporté leur soutien à des députés de l'opposition, comme elle se qualifie elle-même, pour rejeter certaines dispositions de ce projet de loi. L'Akhdar Ben Khalaf, un député du parti Al-Adala, a déclaré ceci à propos du projet de loi sur la loi des finances. « C'est un texte dicté par les barons de l'argent sale. Ces derniers ont poussé le gouvernement à recourir aux poches des citoyens pour couvrir le déficit budgétaire. » Fin de citation. C'est dire, aujourd'hui... Liberté. Des articles annulés par la Commission des finances et du budget de l'APN, le projet de loi de finances 2016 est déjà passé à la trappe par FA. El Watan. Loi de finances 2016, le pire est à venir. Par Hamida Meshaï. TSA. Débat sur le projet de loi de finances 2016, le FLN critique le gouvernement. Par Eshira Mamri. Aujourd'hui avec nous, Ali Benouari, ex-ministre du Trésor, Karim Kebir, journaliste, Faisal Mattawi, journaliste. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Ali Benouari, comme je l'ai dit dans mon édito, une question que se posent beaucoup de citoyens. Ils se demandent pourquoi ce régime panique, puisque les 60 milliards dont il a besoin pour couvrir les besoins, pour continuer à anesthésier les gens, boucher les trous, il les a. Il a 30 milliards à peu près de rentrées par la vente des hydrocarbures. Et le reste, il va le puiser dans les réserves de change, qui sont d'environ 160 milliards de dollars encore. Donc, normalement, il devrait en avoir pour au moins 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait paniquer ? Qu'est-ce qu'il fait paniquer ? D'abord parce qu'il est démasqué. Il est démasqué parce que tout ce qui se passe contredit exactement tout ce qu'il nous raconte depuis 1999. Donc, tous les jours, les Algériens se rendent compte que le régime a menti et qu'il a échoué. Et que les chiffres qui sortent sont implacables. Les déficits s'accumulent et les gens le savent. Il panique parce qu'il a peur, en fait, que s'il ne prend pas des dispositions urgentes, la catastrophe surviendra plus vite. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est retarder la catastrophe. Toutes les mesures qui sont prises sont de nature à retarder la catastrophe, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il racle les fonds du tiroir, il prend des mesurettes, il essaye de diminuer le pouvoir d'achat afin de diminuer les importations, mais il sait que les gens l'attendent au tournant, que la branche sur laquelle il est assis, c'est-à-dire le peuple qu'il a abreuvé de subventions, ne l'acceptera pas. Il cherche d'autres solutions, par exemple freiner les investissements, des solutions qui ne se voient pas. Par exemple, freiner les investissements. Je prends puisqu'on parle de loi de finances 2016, prenez par exemple un article, l'article 71,
qui donne toute liberté au ministre des Finances pour annuler ou geler des projets d'investissement. Il y en a beaucoup qui ont été gelés et qui ont été annulés. Et ça, tout le monde, les gens commencent à le savoir en matière de routes, d'autoroutes, en matière d'hôpitaux, ça, etc. C'est l'article 71 qui aurait été rejeté par justement les membres de cette commission. Oui, peu importe. Nous parlons du projet de loi de finances. Oui. Nous sommes dans la même situation où se trouvent aujourd'hui les députés d'un parlement croupion, un parlement fantoche, qui se sentent obligés aussi de réagir. Donc, le ministre des Finances se voit octroyer le droit d'annuler un projet qui a été précédemment approuvé par le Parlement, si la situation l'exige. Si ce n'est pas de la panique, c'est quoi? Et toutes les dispositions qui sont dans cette loi de finances sont des dispositions qui sont des dispositions de panique. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux problèmes de fond, mais on essaye par tous les moyens de diminuer les dépenses, et surtout les dépenses qui sont invisibles, les dépenses qui frappent le développement, qui pénalisent le pays, qui touchent l'investissement, en essayant de ménager autant que faire se peut le pouvoir d'achat des citoyens, parce qu'il sait que autrement les gens descendraient dans la rue, et ça, il ne le veut surtout pas. Et on peut comme ça faire défiler tous les articles, on peut analyser cette loi de finances comme étant une loi de finances qui est effectivement une loi de finances de panique, mais qui en même temps laisse les problèmes de fond absolument intacts. Aucun des problèmes de fond, notamment les déséquilibres structurels de l'économie, n'est abordé. Aucun. Et puis alors les effets pervers sont, comme beaucoup de gens l'ont constaté, l'aggravation des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'au fond, non seulement on pénalise le développement du pays, mais on va créer encore plus d'inégalités sociales, c'est-à-dire qu'on va enrichir les riches. Prenez par exemple l'article 2 qui concerne la privatisation des entreprises publiques. On décide de privatiser les entreprises publiques, mais qui va en profiter? Ouais. C'est certainement pas le travailleur qui va profiter de cela. Par contre, les riches qui ont accumulé des fortunes considérables depuis 1999, eux, ils vont s'en donner à cœur joie. On va leur livrer en cadeau, en plus de tous les cadeaux qu'ils ont reçus, on va leur livrer des entreprises publiques. Non, et je ne peux pas, hélas, m'empêcher de mettre ça en rapport avec l'amnistie fiscale qui a été décrétée. J'avais dit, rappelez-vous, oui, que je ne serais pas autrement surpris que, après cette amnistie fiscale, on autorise les voleurs à faire main basse sur des entreprises publiques qu'on privatisera. Eh bien, on y est. Mais il semble que cette disposition ait été rejetée par les membres de cette commission. Il semble que ça ne va pas passer, du moins pour l'instant. Nous sommes en train de parler d'un projet de loi de finances élaboré par le gouvernement. C'est-à-dire que nous sommes en train de juger des intentions et de la politique du gouvernement. Mais comment expliquez-vous, Elie Benouari, que des députés du FLN, qui sont pourtant acquis au gouvernement, aient rejoint certains autres députés de l'opposition pour les soutenir contre ces articles auxquels vous faites allusion? La réponse la plus rapide qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils se sentent obligés. Ils se sentent obligés parce que sinon ils perdraient toute crédibilité. Ils essayent de se refaire une crédibilité à bon marché. Ils essayent de jouer à l'opposant, alors qu'ils ont approuvé à main levée toutes les outrances qui ont été faites à l'économie du pays et à la société. Ils se réveillent maintenant en se mettant, soi-disant, dans la peau d'opposants. Eh bien non, ça ne marche pas, messieurs les députés et madame les députés, ça ne marche pas. Vous êtes aussi discrédités que ce gouvernement que vous critiquez aujourd'hui. Restez avec nous, Elie Benouari. Karim Kabir, merci d'avoir accepté notre invitation, Karim. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Karim, à chaud comme ça, votre commentaire sur ces articles que les membres de la commission financière ont rejetés, notamment... je me perds un peu dans les... En tout cas, il y a 8 articles à peu près, entre autres, qui ont été rejetés par cette commission, par les membres de cette commission. Quel est votre avis sur la question ? Non, il faut dire qu'il y a un travail qui a été fait quand même par certains partis d'abord bien avant que le projet soit présenté par le ministre devant la commission. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup, en tout cas, c'est l'avis qui est largement partagé.
que c'est un projet de loi qui est inspiré quand même par les milieux d'argent. Donc c'est beaucoup plus pour aider les détenteurs de capitaux. Donc forcément, il y a une réaction de certains députés. Mais on le voit aujourd'hui, même certains députés des partis majoritaires, ils s'expriment. Ils ont un peu critiqué les dispositions de la nouvelle loi de finances parce que bon, d'une part, ils ont consommé plus de la moitié de leur mandat, donc forcément il y a certains qui ont la tête dans le prochain. En même temps, il y a d'autres, je suppose, qu'ils ont fini par quand même à assumer leurs responsabilités de députés parce qu'ils se rendent compte que finalement ce projet de loi risque réellement de déstabiliser le pays parce qu'il y a, il y a déjà actuellement beaucoup les coûts sociaux commencent à ressentir quand même la dégringolade, si vous voulez, du pouvoir d'achat. Donc la situation est devenue difficile et la loi de finances ne fait pas, même si dans les discours ils essaient un peu de présenter la chose comme étant elle se soucie des couches populaires, mais en fait, elle fait la part belle beaucoup plus aux affairistes et aux milliardaires. Restez avec nous, Karim Kabir. Faisal Mottawi, merci d'être avec nous. Faisal. Bonsoir, Jamel. Bonsoir, merci Faisal. Merci d'être avec nous. Alors, Faisal, Karim Kabir nous disait que certaines dispositions ont été dictées par ces milieux d'argent sales. Vous pensez qu'ils veulent vraiment faire main basse sur ce qui reste à désosser, qu'ils ont suggéré ces dispositions pour continuer de s'accaparer le reste? Je n'ai pas bien écouté la question, la voix est faible. Et maintenant, vous m'entendez mieux, Faisal? Oui, un peu mieux, oui. Alors, Karim Kabir nous disait que ce sont vraisemblablement les milieux d'argent qui ont suggéré certaines dispositions pour continuer de s'accaparer ce qui reste, à désosser, à se nourrir sur la bête pour le peu qui reste. Vous pensez que c'est cela? Oui, moi je partage l'avis de Karim, parce qu'il y a un seul exemple à donner. Pourquoi il n'y a pas un impôt sur la grosse fortune? Pourquoi la loi de finances 2016 n'appartient pas à porter cette loi pour que ces personnes qui ne payent pratiquement rien aux impôts et à la fiscalité, qui ne contribuent pas du tout à l'effort national donc de fiscal, les importateurs, les gros, les hommes d'affaires, ceux qui ont des entreprises et qui échappent au fisc par plusieurs trouvailles, par plusieurs artifices, pourquoi il n'y a pas un impôt sur la fortune? Ah, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et M. Benoît Ali, que je salue, a évoqué, c'est effectivement ce texte qui autorise donc de céder des terrains, je crois que c'est l'article 53, que les terrains relevant du domaine privé de l'État peuvent faire l'objet de concessions en la faveur des investisseurs qui réalisent des projets touristiques. Ça, c'est un point. Mais je me rappelle bien que les forums des chefs d'entreprise qui agissent comme un forum qui regroupe tous les hommes d'affaires, or que ce n'est pas vrai, il ne regroupe que ses adhérents, a fait beaucoup de forcing pour que, justement, il obtienne des fonciers industriels. Et d'ailleurs, le ministre Bouchoualeb n'a pas attendu la loi de finances ni l'aval du Parlement pour aller leur faire des promesses, et beaucoup de promesses sur ce plan. Puisque, globalement, si on fait l'analyse de la loi de finances 2016, qui va, en fait, dans le sens de la loi de finances 2015, parce que beaucoup de monde n'a pas fait attention, mais la loi de finances 2015 a également introduit beaucoup de choses en faveur des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise, comme d'autres textes qui sont passés parfois inaperçus, parce que malheureusement, beaucoup de choses passent en Algérie sans être faire l'objet du débat. Maintenant, la commission, du moins la commission qui est au sein de l'APN, qui travaille souvent dans l'opacité, a essayé d'évacuer certains textes, mais il y a toujours d'autres textes qui sont dans cette loi de finances, qui va dans le sens libéral presque total, au détriment des acquis sociaux des Algériens, malgré les assurances
faite par le Premier ministre Ahmed Mekselle dans son interview récente à l'agence APS et les déclarations du ministre des Finances. Donc il y a une crise, c'est établi, la loi de finances prévoit un déficit commercial de 26 milliards de dollars à la fin 2016, un déficit qui sera aussi, qui bien sûr, naturellement va atteindre la balance des paiements qui va dépasser les 30 milliards, ça veut dire qu'en 2016, la situation sera beaucoup plus grave qu'en 2015. Restez avec nous, Faisal Mettaoui. Ali Benouari, je vais vous demander de faire un peu le maître d'école pour nous, de nous expliquer certains concepts. Faisal Mettaoui vient de poser une question. Il dit pourquoi cette loi des finances ne prévoit-elle pas tout simplement un impôt sur la fortune, puisqu'aujourd'hui nous avons des milliers de millionnaires en dollars. Essayez de nous expliquer d'abord ce qu'est l'impôt sur la fortune et pourquoi il n'est pas prévu. C'est une question qui est récurrente. Je l'avais soulevée moi-même. Beaucoup l'ont soulevée. C'est Faisal Mettaoui que je salue en même temps que Fikébir. On parle aussi. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. C'est un gouvernement. Autrefois, on aurait dit que c'est un gouvernement, j'allais dire capitaliste, de capitalisme sauvage. J'entends. Aujourd'hui, la question du social n'est jamais posée, elle n'est jamais évoquée. Il faut rappeler que la totalité des entreprises privées du pays payent moins d'impôts que les salariés, que les pauvres salariés. Ça, quand on veut corriger un déséquilibre budgétaire, on augmente les impôts et on augmente les impôts de ceux qui n'en payent pas ou pas assez. Là, vous pouvez le constater. Aucune loi de finances, depuis longtemps, ne s'est intéressée à ce gisement fiscal. Soit on augmente les impôts, là où il faut, des contribuables qu'il faut, soit on diminue les dépenses, notamment les dépenses qui ne sont pas justifiées, notamment les transferts sociaux, c'est-à-dire les dépenses budgétisées comme subventions directes et les subventions indirectes, comme les tarifs d'électricité, de l'essence, etc. Et là aussi, ces subventions-là, on devrait les diminuer, mais les diminuer tout en maintenant les subventions aux nécessiteux, aux gens qui en ont besoin. Autrement dit, les riches sont récompensés deux fois et les pauvres sont pénalisés deux fois. Les riches donc bénéficient de tous les avantages que les lois de finances successives leur donnent. Ils bénéficient du fait qu'ils payent peu ou pas d'impôts et ils bénéficient, comme les pauvres, des subventions diverses. Autrement dit, on ne corrige pas les déséquilibres budgétaires, on les aggrave. On ne corrige pas les inégalités sociales, on les aggrave. Et surtout, on ne s'attaque pas au fond du problème, qui sont les déséquilibres structurels de l'économie qui font que nous sommes une économie en voie de sous-développement continu. Où est la politique industrielle ? Où est la politique de création d'entreprises ? Où en est-on avec la recherche-développement ? Où en est-on avec le développement du tourisme? Où en est-on avec le développement de l'agriculture? C'est-à-dire, où en est-on avec le développement, tout simplement? C'est le développement qui génère des richesses et qui génère des impôts. Tandis que là, on fait du calcul d'épicier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un impôt sur la fortune, Ali Benouari? Alors, un impôt sur la fortune, c'est un impôt qui taxe non pas le capital qui est investi, qui travaille et qui produit, c'est un impôt qui taxe les fortunes immobilisées et gelées. Par exemple, les maisons. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des privés, des riches algériens qui possèdent des dizaines et des dizaines d'appartements et de maisons. Ce n'est pas taxé, ce n'est pas normal. Les fortunes à l'étranger également ne sont pas touchées. On fait comme si elles n'existaient pas, tout simplement. Alors, si j'ai bien compris, Ali Benouari, si j'ai de l'argent, que je l'investis pour construire une usine, faire un investissement, je paye l'impôt ordinaire, mais si je l'achète, je l'utilise pour construire une piscine, acheter une villa, acheter une bague en diamant pour ma femme, placer de l'argent dans une banque étrangère, là je paye un impôt sur la fortune parce que j'ai détourné cet argent pour mon seul usage. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors pourquoi n'est-il pas prévu? Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Prenez la déclaration, une déclaration fiscale d'un contribuable quelconque. Dans cette déclaration fiscale, il y a les revenus, ce qu'on gagne au titre des salaires ou au titre des dividendes, si on a une entreprise, etc. Et il y a ce qu'on possède. Qu'est-ce qu'on possède? On possède de l'immobilier, on possède des voitures,
on possède de l'argent. Et oui, Sidi Jamel, de l'argent, c'est de la fortune. Oui. Si quelqu'un a dans son compte bancaire 20 milliards de dinars, vous trouvez normal qu'il ne paye pas de l'impôt, un impôt sur les 20 milliards de dinars ou les 50 milliards de dinars qu'il possède sur son compte dans tous les pays. Ça, c'est des fortunes, de grosses fortunes sur lesquelles on doit payer des impôts. Eh bien, en Algérie, il n'y en a pas. Tout par contre, ceux qui touchent des salaires, même très petits, même qui ne leur permettent même pas de vivre dignement, eux payent systématiquement l'impôt, puisque c'est un système déclaratif et qu'on paye à la source. Bien entendu, n'ayant pas de fortune, leur seule fortune, c'est leur revenu. Et ils payent un impôt sur ces revenus. Rappelez-vous la question de l'article 88 qui a ému tant et tant de gens, qui n'a même pas eu qui n'a même pas fait pitié au secrétaire général de l'UGTA. C'est-à-dire qu'on a voulu imposer des primes, on a voulu tout imposer, c'est de manière à ce que le salarié paye, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire on se paye sur la bête. La bête, c'est le contribuable, c'est le travailleur. In fine, c'est le travailleur. Restez avec nous, Ali Benouari. Karim Kabir, Ali Benouari nous parlait à l'instant de ces grands secteurs qui ne fonctionnent pas du tout. L'agriculture, le tourisme, l'industrie. Beaucoup de gens pensent peut-être que l'agriculture, quand même, elle produit. Est-ce que les gens ne savent pas que la plupart des produits agricoles algériens sont très peu intégrés? Ça veut dire qu'ils sont la somme d'intrants qui proviennent en majorité de l'étranger, qui sont importés eux-mêmes, que le terme de capitaine d'industrie en matière d'industrie, c'est un terme très galvaudé, qu'en matière de tourisme, malgré nos capacités, nous sommes l'un des pays au monde qui a de formidables capacités, mais qui n'en exploite même pas le 1/100. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces trois grands secteurs qui sont complètement en déshérence? Nous avons perdu Karim Kabir. Est-ce que Faisal Mattawi est avec nous? Faisal? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez entendu cette question que je viens de poser à Karim Kabir? Pas vraiment. Je parlais des trois grands secteurs qu'a évoqué Ali Benouari, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, qui sont complètement à l'abandon, du moins en apparence, je ne sais pas. Par exemple, l'agriculture, beaucoup de gens disent « non, c'est faux, l'agriculture produit », mais ils ne nous disent pas le taux d'intégration des produits réalisés dans le pays. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Enfin, pour le secteur agricole, je dis que il y a eu quand même des améliorations ces dernières années, parce que il faut être honnête, il y a eu un ministre qui connaissait parfaitement le secteur, qui était Rachid Benaïssa, et qui a commencé à faire... on peut dire du bon travail, notamment en améliorant la rentabilité dans certaines régions et en soutenant, parce que c'était question, il fallait soutenir aussi les paysans et les pelahs à travers de l'argent et à travers une certaine mécanisation dans les champs, etc. Et on avait même commencé à protéger les produits de terroir, par exemple comme les figues sèches en Kabylie, l'huile d'olive en Kabylie dans la région de Djigel et de Tlemcen, etc. Donc on a commencé enfin à penser de manière intelligente le secteur agricole. Mais ce ministre n'est pas resté. Il est parti. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on peut trouver une explication. C'est que il y a eu la mafia de l'importation. Ceux qui importent certains produits agricoles et qui peuvent être parfaitement produits et en bonne qualité en Algérie n'ont pas du tout supporté cette amélioration. Parce qu'il faut aussi penser à ceux qui bloquent la machine économique pour rentabiliser, renflouer leur caisse. On a bien compris que les opérations d'importation, en grande partie, le gouvernement a enfin compris que ces opérations d'importation, en grande partie, cachent une exportation de la devise, puisqu'il y a eu surfacturation. Rappelez-vous, Jamel, on en a parlé dans cette émission, le ministre lui-même a parlé de surfacturation, je parle du ministre du Commerce, Belaïb, qui a parlé de surfacturation qui ont atteint 20 milliards de dollars. Ça n'existe dans aucun pays, au moins dans aucun pays. Vous aurez écouté un ministre du Commerce dire que la surfacturation a atteint 20 milliards et que le gouvernement n'a rien fait. Maintenant, pour le secteur touristique, c'est un secteur complètement effondré. Et on n'a pas fait grand-chose pour le développer. D'abord, il y a beaucoup de blocages pour les jeunes investisseurs. J'en connais qui veulent
créer des petits projets dans les zones côtières comme à Tipaza, à Dijel, à Bdjaya, à Mestranem ou à Tenfel. Et dans le sud, pour ouvrir un hôtel, il faut courir. Il y a énormément de blocages administratifs, financiers, sécuritaires, tout type. Il faut passer par la wilaya, par le chef d'Ayala, par le président d'APC, par le chef secteur, par l'armée, par beaucoup de choses pour ouvrir un hôtel. Et après, pour ouvrir un hôtel, vous aurez aussi beaucoup de contrôles qui n'ont aucun sens. Je peux commencer aussi par parler de la promotion touristique à l'étranger. Rien n'est fait. L'Algérie participe parfois à des salons sans aucune étude, parce que pour choisir un salon, il faut cibler un marché. Et pour cibler un marché, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir des touristes dans le pays. Or, cela se fait sans aucune étude. En plus, les prix et les tarifs pratiqués par l'Algérie sont hors compétition. C'est des tarifs très élevés, notamment pour les zones du Sud. Et le tourisme dans le Sud, après ce qui s'est passé en Libye et ce qui se passe toujours. Et en Mali, on peut dire que c'est un secteur qui est complètement mort. Maintenant, pour l'industrie, c'est un autre débat. Mais justement, à propos de l'industrie, Faisal, est-ce qu'on peut dire que nous avons des capitaines d'industrie, ces nouveaux grands entrepreneurs industriels, etc. Est-ce que nous avons vraiment une industrie d'abord, qui est vraiment créatrice de richesses, ou juste une industrie de transformation qui pompe les devises du pays pour aller chercher, surfacturer, transformer des choses et dire qu'elle produit, qu'elle crée des richesses? De la richesse. On a une petite industrie Jemel, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui fait quand même des produits assez bons, j'allais dire, comme les jus, comme les certains biscuits, comme certains produits de concentré de tomates, qui sont de bonne qualité. Et malheureusement, ces petites unités ou ces petites usines, il y a même ceux qui arrivent à exporter. Pour exporter, c'est déjà aussi un autre drame. Il faut d'ailleurs, l'Algérie, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a certains responsables algériens qui n'aiment pas le continent africain ni le monde arabe. Ils font tout pour empêcher que les produits algériens partent en Afrique d'une manière plus facile et plus fluide, et qu'ils partent vers la zone arabe, parce que le potentiel du marché arabe est de 300 milliards de consommateurs, avec des possibilités d'achat très élevées. Or, c'est des produits européens qui arrivent à entrer facilement dans cette zone, et les produits algériens sont bloqués. Donc quel intérêt on est en train de servir? Et également pour ceux qui voudraient s'implanter dans d'autres régions du pays, ou même à l'étranger, il y a beaucoup de difficultés. Je crois qu'il y a une bureaucratie énorme qui est en train de bloquer l'industrie du pays. En plus, il y a une absence totale de vision, et puis il faut maintenant définir qu'est-ce qu'on veut. On ne pourra jamais concurrencer des pays comme la Corée du Sud, le Japon, je citerai ces deux pays pour ne pas citer le Brésil ou le Canada. Donc il faut maintenant cibler un marché et choisir ce qu'on veut. Et est-ce que une vision maghrébine complémentaire des pays, les principaux pays qui la composent, Maroc, Algérie, Tunisie, ne pourrait pas entrer dans cette perspective d'échange? Bien sûr, mais Jamel, pour ça, il faut avoir une vision. Il faudrait avoir une vision d'avenir. Ça fait très longtemps que nous plaidons pour l'union du Maghreb arabe. Ça fait très longtemps que nous plaidons pour la suppression des frontières et pour qu'il y ait, quand je parle de suppression des frontières, ça veut dire permettre une circulation plus rapide, plus fluide des Maghrébins dans la zone. Pourquoi pas une ligne ferroviaire liant Casablanca à Tripoli? C'est tout à fait possible, et même jusqu'au Caire. Or, les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées, les frontières terrestres, pour une raison qui reste inexplicable, parce que les autorités algériennes n'ont aujourd'hui aucune explication à donner à la fermeture de cette frontière, parce qu'on nous parle de contrebande. Or, tout le monde sait que la contrebande traverse la frontière fermée entre le Maroc et l'Algérie d'une manière facile. Il faut payer une petite somme d'argent et puis c'est tout. Et la même chose pour les frontières qui sont supposées être contrôlées, notamment la Tunisie et le sud algérien, parce que on a même entendu le gouvernement trouver une explication par la hausse des produits en parlant de contrebande. Or, chaque jour, l'armée algérienne annonce des bilans et des communiqués d'opérations menées aux frontières. Alors, ma question, que fait la douane? Quel est le rôle que joue la douane algérienne pour lutter contre la contrebande? Maintenant, pour la zone maghrébine, il faut dépasser beaucoup de choses, parce que j'ai l'impression que le Maghreb et certaines des régions maghrébines continuent de fonctionner selon la mentalité de la guerre froide. Et à chaque fois, on nous sort des vieilles casseroles, à chaque fois, on nous parle de
des différends entre le Maroc et l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental. Le président Merzougui, rappelez-vous, a proposé de faire circuler les Maghrébins par une carte d'identité pour qu'il y ait une plus de facilité de circulation. Il a été attaqué de partout, notamment en Algérie. Donc je crois qu'il y a la politique et l'idéologie et certains héritages du passé et une certaine génération aussi. Parce qu'il faut dire que la génération qui gouverne le Maghreb est une génération qui appartient à un autre temps. Cette génération, peut-être qu'il est venu le temps qu'elle parte. Restez avec nous, Faisal Mettaoui. Karim Kabir, nous vous avons perdu tout à l'heure. J'aimerais vous poser une question précise. Aujourd'hui, tous les chiffres que nous avons, tous les chiffres en matière économique, ne proviennent que d'une seule source. C'est l'appareil de statistique du régime. Est-ce que, en dehors de cet appareil qui nous donne des chiffres généralement mensongers, est-ce qu'il y a une possibilité de disposer d'autres sources d'informations en matière économique? Karim? Est-ce que Karim est avec nous? Il semble que nous l'ayons encore perdu. C'est vraiment pas de chance. Ali Benouari, je reviens à vous. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Ali Benouari? Depuis la faillite du CNES, depuis le décès de c'est Kamel Mansour et Allah yarhamou, nous n'avons plus aucun organe indépendant d'évaluation des politiques publiques, ni un appareil statistique digne de ce nom, même si l'appareil statistique ne dépend pas du CNES. Mais en termes d'analyse, le CNES était un précieux outil. Aujourd'hui, il n'y a, tenez-vous bien, que le Fonds monétaire international. Il n'y a que les statistiques du Fonds monétaire international disponibles mensuellement. Je renvoie les Algériens à la lecture de ces statistiques qui peuvent y accéder par Internet. Elles sont édifiantes. Le rapport. Mais le FMI, il tient ses chiffres de qui? Qui lui donne ses chiffres? Il tient ses chiffres des organes algériens, de l'Office des statistiques, des ministères, de la douane. Ça veut dire que c'est le régime qui lui fournit ses chiffres. Oui, donc ce sont des chiffres du régime. Oui, oui. Mais ils font un travail appréciable de recoupement des informations. Ils vont jusqu'à aller dépêcher des gens au marché, faire leur marché, pour voir si l'indice des prix algériens n'est pas mensonger. Et donc, ils font un travail méritoire, mais surtout, ils font un travail de recoupement et d'analyse considérable. Et ces rapports annuels, il y en a deux rapports de consultation par an, ils sont cachés aux Algériens. Hélas, ils sont confidentiels. On ne veut pas les diffuser. Ils sont en diffusion. D'accord. Bien sûr. Ils ne sont pas consultables ? Ils ne sont pas consultables. Les autorités algériennes n'ont jamais accepté de divulguer ces rapports. Et c'est dommage, parce que c'est une mine d'informations. Sur l'état du structurel de l'économie algérienne, sur les déséquilibres, et ils font un travail de prévision, un travail d'avertissement, c'est des lanceurs d'alerte. Évidemment, on ne s'intéresse au Fonds monétaire que quand le Fonds monétaire s'intéresse à nous. C'est-à-dire que le jour où on va frapper à la porte des marchés financiers et qu'on ne veut pas nous prêter de l'argent, alors il nous renvoie au FMI qui nous dicte ses conditions. Et d'ailleurs, quand on va au FMI, le FMI, pourquoi il arrive très vite à imposer ces réformes, ces politiques aux pays qui frappent au réchelonnement et à l'assistance du FMI, mais parce qu'ils connaissent très très bien la situation du pays, qu'ils suivent mensuellement. Mais voilà, l'appareil statistique, je vous ai répondu, il est défaillant. Alors, autre chose, Ali Benouari, oui. qui montre un peu que cette panique est bien réelle et que peut-être qu'elle va vraiment influer sur le cours des événements, parce que sinon, il n'y aurait pas de souci. 30 milliards des ventes des hydrocarbures, 30 milliards qu'on prendrait des réserves, ça pourrait prendre 4, 5 ans, tranquille. La panique peut jouer quelque chose. Et là, je voulais vous poser la question au sujet de la flambée des prix de change parallèle, au sujet de l'effondrement de l'immobilier qui est en train de s'effondrer littéralement, au sujet de la fuite des capitaux. De plus en plus de gens sont en train de changer leur fortune en devises pour les exfiltrer en Espagne et ailleurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord, sur ça? Je vous en prie. De panique au début de votre émission. Je donne un exemple de panique. C'est les 6 comptes d'affectation spéciaux, qui ont été fermés.
On a fermé 6 comptes d'affectation spéciaux, c'est ce qu'on appelle racler les fonds du tiroir. Il faut savoir que, il faut que les Algériens sachent, ce sont des comptes du Trésor dans lesquels on loge les fonds destinés à soutenir un secteur. Par exemple, la pêche, par exemple, l'agriculture. On met de l'argent là-dedans pour soutenir les producteurs, pour soutenir les pêcheurs. Eh bien, ils ont été fermés. Il y a 6 de ces comptes, notamment le fonds de... Le fonds de développement de la pêche et de l'aquaculture, ben il a été fermé. J'aimerais bien savoir pourquoi. Eh ben tout simplement parce qu'il y a de l'argent qui a été alloué à ces comptes d'affectation spéciale, et cet argent, on le rapatrie pour augmenter les recettes. Autrement dit, on sacrifie le développement d'un secteur pour masquer ou diminuer l'ampleur du déficit. C'est ça la panique. Et au train où vont les choses, vous pensez que le taux de change va encore s'aggraver, que la dévaluation pas va encore l'inflation, je veux dire, que l'inflation va s'aggraver, que la panique va continuer à produire des effets aussi néfastes sur l'économie et sur les pouvoirs d'achat des gens les plus démunis. Bien entendu, il faut savoir que la dévaluation est un échec, mais c'est un échec in fine, c'est-à-dire quand on n'a pas pu faire autrement. Eh bien, on dévalue parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme quand on va au FMI. Parce que quand on dévalue, on remplit les caisses, donc les recettes augmentent. Mais, hélas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, on remplit les caisses, mais on augmente les prix à l'importation. Et donc, on augmente l'inflation. Et donc, on diminue le pouvoir d'achat des gens. Et si vous voulez mon avis, mais je l'ai eu, j'ai toujours été clair là-dessus, j'ai dit aux gens, aux Algériens, surveillez le taux de change et les réserves de change. Ils ne mentent pas. Et c'est les seuls qu'on ne peut pas manipuler. Eh bien, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, comme hier, j'ai la conviction que le taux de change du dinar continuera à glisser à un niveau insoupçonné. Moi, je parle même de 1000 dinars pour un euro. 1000 dinars pour un euro. Ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Vous nous dites 1000 dinars pour un euro, ça veut dire, ce n'est pas 17 fois, 18 fois, c'est 100 fois. Oui, mais pas du tout. Rappelez-vous ce que valait le dollar dinar il y a 25 ans. On valait 4 dinars pour un euro. Le dinar a dévalué de 2500% par rapport au dollar depuis 25 ans. Et si vous appliquez simplement ce taux de dévaluation de 25 fois, vous aurez non pas 1000 dinars, mais vous aurez 2500 dinars pour un euro. Mais les gens, ils rêvent, ils croient qu'ils sont dans un système qui peut éternellement... Ils croient que c'est un système stable et solide. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus fragile que ce système. C'est la digue. Le taux de change est la digue. Quand cette digue va être enfoncée, vous imaginez les conséquences. Et cet effondrement de l'immobilier, Ibn Wali, qui n'est pas encore alarmant au point que l'on imagine, mais qui commence sérieusement à inquiéter, puisque beaucoup de gens vendent et peu de gens achètent. Mais bien sûr, parce que d'abord les revenus diminuent, les gens, et puis il y a non seulement les revenus diminuent, le chômage augmente, donc les gens, le pouvoir d'achat impacte directement la demande de logement, mais il y a des faits paniques, c'est-à-dire que quand les gens sentent que l'avenir est incertain, dans un premier réflexe, évidemment, ils vont vers la pierre, mais dans un deuxième stade, quand ils n'ont pas confiance, ils vendent et ils transfèrent, ils achètent la devise, parce que... Et puis, il y a eu une spéculation telle que les prix, c'est ce qu'on appelle une bulle, une bulle qui explose. Donc, il y a eu 3 facteurs qui se conjuguent pour expliquer la baisse du prix de l'immobilier. Mais ces 30 milliards de réserves de change qu'on utilise aujourd'hui pour compenser le déficit de la balance des paiements, les choses devaient rester en l'état, et on le voit bien que cette loi de finances ne corrige pas les déséquilibres de fonds. Et donc, les déséquilibres vont s'aggraver. Cela signifie 30 milliards cette année, peut-être 40 milliards l'année prochaine. Pour finir, eh bien, en 2019, les Algériens doivent savoir qu'il n'y aura plus d'argent en caisse. Et quand il n'y aura plus d'argent en caisse, et c'est là, je vous invite à réfléchir. Restez avec nous, Ali Ben Wali. Faisal Mattaoui, ce que dit Ali Ben Wali, ça ne vous fait pas peur? Ce n'est pas trop alarmant, à votre avis?
Non, Monsieur Belmoari, qui connaît parfaitement le secteur financier, dresse un tableau tout à fait logique, j'allais dire. La dévaluation du dinar, elle a fait beaucoup de ravages, mais bien sûr, le gouvernement ne donne aucune explication du moins logique, ni ouvre un débat public sur cette situation. C'est une gestion donc superficielle, parce que au lieu d'aller vers l'économie réelle, de construire une réelle économie, d'en rappeler pas, le président Bouteflika lui-même, en son arrivée au pouvoir en 1999 pour son premier mandat, il disait que l'Algérie devait sortir de la domination du pétrole et du gaz, et de construire une économie, etc. Or, 16 ans sont passés sans que cette économie n'ait été construite, et la même chose pour ce qui est appelé la diversification économique. Tous les responsables algériens parlent depuis des années sur la diversification économique, mais cela n'est pas réalisé. Et là, on veut en quelques mois réaliser cette diversification, limiter les dégâts de l'exportation du pétrole et du gaz, et construire donc des choses pour l'avenir. Je pense qu'il y a une crise de gestion, une crise de gouvernance, une crise de plan également. On prévoit des choses qui sont fausses. Et Jamel, rappelez-vous, dans cette même émission, on a parlé de gouvernement qui a toujours minimisé la crise de l'effondrement du cours pétrolier jusqu'à la dernière minute. Et continuer à dire non, l'Algérie ne sera pas touchée, non, on est à départ, on est à l'abri. Et là, on constate aujourd'hui que l'Algérie va connaître des difficultés, puisque les réserves de change vont s'effondrer. Ils vont s'établir à 151 milliards de dollars à la fin 2015 et à 121 milliards de dollars à peu près en 2016. C'est-à-dire qu'on a perdu plus de 50 milliards de dollars. C'est énorme, mais on fait en sorte que la situation continue, alors qu'il y a beaucoup de solutions, des solutions qui ont été pratiquées par d'autres pays. L'Algérie, bon, avait connu, il est vrai, des situations presque pas identiques au milieu des années 80, lorsqu'on est arrivé à la cessation de paiement, avec un effondrement des cours pétroliers, également absence de perspective. On aurait dû retenir la leçon de ce qui s'est passé en 1980. Or, on n'a pas du tout retenu cette leçon des années 80, et on se retrouve presque dans la même situation des années après. Faisal Mettaoui, cette information que nous donne Ali Benouali, à savoir que des chiffres consolidés, recadrés, recoupés par le FMI ne sont vraiment pas accessibles, que le régime ne veut vraiment pas les livrer. Vous étiez au courant de ces chiffres? Vous savez, on a toujours écrit, dénoncé l'opacité qui entoure beaucoup de chiffres. Il n'y a pas que les chiffres du FMI. Le gouvernement algérien, au détriment au mépris de tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, refuse l'existence d'instituts indépendants de statistiques. L'Office national des statistiques, qui est un organisme public, publie certaines choses, mais ne publie pas d'autres choses, parce que le gouvernement lui commande certaines enquêtes, social ou économique, etc. Or, on peut aussi pointer du doigt le rôle des universités. Que font les universités? Quel est le rôle de l'Institut de sciences économiques ou l'Institut de commerce? Pourquoi il n'y a pas de travail de terrain? Pourquoi les étudiants sont réduits à faire du travail théorique? C'est tout. C'est la même chose pour le CNES. Nous avons un institut qui s'appelle le Conseil national, une institution, le Conseil national économique et social, qui dresse des tableaux et parfois des rapports annuels, et ces rapports depuis un certain nombre d'années sont devenus opaques, ils sont plus publics. Il y a eu comme qu'un dernier rapport qui a été publié ou des déclarations récentes. Or, tout ce qui est lié à la gestion économique, à la gestion financière et également à l'armement, parce que l'Algérie achète d'armement à l'étranger, quel est le montant de ces achats? Pourquoi les contrats militaires ne sont pas transparents? Pourquoi il n'y a pas pourquoi le ministre de la Défense, qui est actuellement Ahmed Gaït Salah, qui est vice-ministre de la Défense, ne descend pas au Parlement débattre avec les députés sur cette question, etc. Et donc il y a l'opacité et le manque de transparence. D'ailleurs, c'est toutes les organisations internationales reprochent à l'Algérie le manque de transparence dans plusieurs secteurs. Merci Faisal, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ali Benouari, en moins de deux minutes, un dernier mot. Un dernier mot, c'est que la traduction de ces lois de finances scélérates sera évidemment par addition successive, d'année en année, le pays s'enfonce dans la crise, et nous pouvons de manière quasi certaine prévoir l'effondrement du pays d'ici 2019 ou même avant 2019 par suite
de la non-prise en charge des problèmes structurels de l'économie, par suite de la dissipation de précieuses réserves accumulées, des réserves qui sont historiques. C'est-à-dire que le potentiel de développement de l'Algérie a été détruit. Il ne reviendra plus. Pour finir, nous sommes quasiment certains, en tant que spécialistes, nous sommes quasiment certains que d'ici 2019, ça sera la famine. Ça sera la famine. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement, parce que il nous faudra, on aura un déficit de peut-être 50 milliards de dollars par an dans un contexte où nous n'aurons pas de réserve. Merci Ali Benouali sur ce triste constat. Il nous reste à nous demander à quelle sauce allons-nous être mangés. Allons-nous attendre et espérer que les prix du baril remontent? Allons-nous espérer que nos dirigeants se ressaisissent et prennent le taureau par les cornes, en très bons gestionnaires qu'ils sont? Sellel n'a-t-il pas dit au sujet de la chute des prix du baril? C'est une bénédiction. Comme ça, nous allons pouvoir montrer, nous allons redresser nos manches et montrer ce dont nous sommes capables. Alors nous attendons de M. Sellel qu'il retrousse ses manches et qu'il nous montre de quoi il est capable. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Ali Benouari, merci à Faisal Mettaoui, merci à Karim Kebir, que nous avons malheureusement perdu, que nous n'avons pas pu joindre de nouveau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, de nous avoir prêté votre attention. Salam alaikum, qawala khair, bissalamah.